Hello tout le monde. Alors, voilà. Du coup, maintenant, je vais vous mettre le son du jeu. Voilà. Et c'est tout bon. On peut jouer maintenant. Hop. Ok. Je vais regarder dans affaires qu'est-ce que j'avais du coup. La lumière du quartz vert a fait disparaître le chaos dans l'oasis, mais il doit y avoir encore un quartz de lumière quelque part. Interrogez vos alliés à l'oasis, ok? Là, on nous dit que il y a une Granéenne dans la galerie Grava et que on a un Granéen dans la grotte Courage. Du coup, en fait, on va aller voir tout ça. Hop. Et du coup, notre personnage a un pouvoir qui crée des tourbillons de vent. Personne ne vend de ballons dans cette oasis, elle est vraiment pas terrible. Ah, elle voudrait que qu'il y ait une boutifleur de ballons. Les boutifleurs, du coup, c'est les boutiques que vous voyez là. Parce que du coup, c'est un RPG, mais c'est aussi de la gestion. Il faut gérer son oasis. Et du coup, je vais arrêter de tourner autour du pot. J'oublie toujours que je peux qu'il y a des raccourcis et que je peux y aller plus rapidement. Je peux te déranger une seconde, Granite. Oui, décidément, tu as bien changé depuis notre première rencontre. Je crois qu'il est temps que je te mette au courant. Tu as déjà vu la drôle de porte dans la galerie Grava au sud de cette oasis? C'est la porte d'un dédale des hiéroglyphes. Il faut des plaques spéciales pour l'ouvrir. On trouve des dédales ici et là, tu vois, et nous autres Animéens, on s'y rend souvent pour s'entraîner au combat. Pour un Granéen ordinaire, c'est bien trop dur, mais tu as beaucoup trop progressé. Je pense que tu es à la hauteur maintenant. Voilà trois plaques. Utilise-les quand tu veux accéder à un dédale. Ok. Alors ça, je m'en souvenais pas du tout, bizarrement. En même temps, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Ah, elle veut quelque chose. Cette Granéenne au parler soutenu voyageait sans but. C'est un honneur de te rencontrer, je m'appelle Noobie et je suis une Granéenne errante. Je suis venue de la Sylve du Kalahari en passant par le tunnel des chutes des collines Bar. Est-ce que tu es déjà allée à la Sylve du Kalahari? Les paysages n'ont rien à voir avec ceux du désert. Ah, que j'ai faim. Excuse-moi de te déranger, mais tu n'aurais pas du cactus séché? On peut en trouver dans les jarres de la pente Roulherbe. J'en avais, mais j'ai tout mangé. Si jamais tu trouves du cactus séché, tu veux bien m'en donner? Ok, du coup, ça fait que on va aller chercher son fameux cactus séché. Voilà. Hop. Et du coup, qu'est-ce qu'il a, lui? Chef, les plantes du chaos qui poussaient dans l'oasis ont disparu. C'est grâce au quartz de lumière. Je veux dire grâce à toi et au génie de l'eau. Haha, vous faites une sacrée paire. Oh, si seulement on savait où se cachait le troisième quartz de lumière. Malheureusement, je n'en ai aucune idée. À ce propos, chef.
Quelque chose me chiffonne un peu. Tous les jours vers minuit, une silhouette rouge, une suit une, un, deux, trois, silhouette louche rôde du côté de la source de l'arbre depuis quelque temps. C'était compliqué. Je ne sais pas ce qu'elle vient y faire, mais tu ferais mieux de rester sur tes gardes. Eh bien, écoute, on va faire ça. Quelqu'un de louche dans notre oasis, qu'est-ce qui peut bien l'attirer ici? Ça m'inquiète un peu cette histoire. Granit, si on vérifiait par nous-mêmes de quoi il s'agit. Puisque la silhouette apparaît la nuit, on n'a qu'à lui tendre une embuscade. Retrouve-moi à minuit à la source de l'arbre. Je compte sur toi, hein, ne t'endors pas. Ok. Bon bah du coup, la nuit venue, il faudra rejoindre Micheline. Pour l'instant, est-ce qu'on a quelque chose qui se rapproche de de la mission qu'on nous a donnée? Visiblement pas. Ah si, à T, du coup. Là, je dirais que vu le positionnement, je ne sais même pas comment je suis censé accéder à ce bordel-là. Qu'est-ce qui me... J'aurais bien tendance à dire qu'en fait, je vais interroger plutôt les... Je vais continuer sur le repère rouge. Avant de faire le repère bleu, parce que visiblement par là on n'y est pas allé. Alors. On va aller par là. Sauf qu'il est pas minuit là en fait. Ouais donc ils mettent un repère rouge mais en fait à moins que hein, j'ai pas de repère rouge autre part hein, c'est bien là que bon ok. On va peut-être fouiller les endroits où il y a des rumeurs, du coup. Vu que là, pour l'instant, je sais pas quoi faire. La galerie Grava. La galerie Grava qui, du coup, qui nécessite d'avoir quelqu'un avec un bolas dans son équipe. Du coup, on va prendre quelqu'un avec un bolas. C'est vrai que j'avais envoyé des explorations, moi. Ok. Ça m'a l'air cool tout ça. Du coup, une équipe. Une équipe. Elle a quoi, elle? Elle a un bâton magique, ça va pas me servir. En train de chercher qui a un... Tiens, lui. Et ben on va le prendre lui. J'ai bien validé, ouais, c'est bon. Ok. Non, non. Mais... Je vais du coup à la galerie Grava. Et du coup je joue avec la manette que je me suis payé grâce à mes commissions. Petite manette Nintendo Pro sans fil du coup. Donc maintenant c'est bien plus pratique parce que j'ai éliminé un fil en fait. Tout simplement. Alors. Et je n'ai plus de fil qui me traîne dans les pattes et c'est merveilleux. Et en plus de ça, elle est hyper confortable et elle n'a pas coûté cher. Donc c'est encore mieux. Alors. Et suivons le chemin. Alors, je relis.
C'était écrit quoi? Au bout de la galerie Grava. Au bout. Donc, logiquement, au bout, ce serait là. Non, là, on est sorti, là, il n'y a plus personne. C'est un peu un jeu d'enquête, des fois. Alors, attends. Je suis en train de réfléchir. Au bout de la galerie Grava, c'est-à-dire parce que là par là il n'y a rien. Je vais quand même vérifier au cas où j'aurais pas. J'en suis à 67%, du coup il y a moyen qu'il y ait une partie que j'ai pas ouverte. Alors, attends. Ah, voilà. Cette porte, c'est peut-être l'entrée du dédale des hiéroglyphes dont a parlé Mew. Tu crois qu'on pourrait l'ouvrir en utilisant les plaques qu'elle nous a données? Si les Animéens vont s'y entraîner, tu peux t'attendre à y trouver des ennemis coriaces. Bah, c'est le challenge, écoute. Granite, avant de rentrer là-dedans, n'oublie pas de bien te préparer, d'accord? Face à une porte comme celle-ci, placez trois plaques sur lesquelles est gravé un hiéroglyphe pour vous mesurer au dédale des hiéroglyphes. Les ennemis du dédale changent selon le type de plaque placée. De plus le métal des plaques est précieux, plus les ennemis sont puissants et les objets trouvés ont de la valeur. Ok, bah ça m'intéresse. Du coup, donc. Des mots semblent avoir été gravés à coups de griffes dans le socle. Quand le dessin du socle sera reconstitué, la porte s'ouvrira. Ok. Donc. D'accord. J'ai pas de métaux précieux, visiblement. Donc j'imagine que c'est une sorte de challenge. Un peu. Par contre, il parle de reconstituer le motif, mais. Je vais dire oui. Hein, ok. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. Visiblement, c'est complètement aléatoire. Welsi. Ok, dédale du désert. Avec une petite musique en mode challenge là. Alors. Bon, là visiblement il n'y a rien. À moins que. Peut-être avoir la surprise en. Les dédales ont quatre types de salles: ennemis, pièges, trésors et soins. Correspondant chacun à une couleur de porte. Chaque fois que vous entrez, la correspondance entre couleur et le type change. Ok. Eh bien, on va voir. Hein. Ok. Dans les salles au trésor se trouvent plusieurs coffres contenant des objets, mais l'un d'eux fait disparaître les autres et attire des ennemis à son ouverture. Prudence. J'imagine qu'il est censé y avoir une sorte de. Je cherche, hein, je regarde. J'essaie de comprendre quel pourrait être le coffre piégé. Allez, on va essayer celui-là. Ah, ok, pour l'instant ça va. Ok, lequel? À votre avis, lequel? Est-ce qu'il y a au moins quelqu'un avec moi? Alors,
Allez, on va dire celui-là. Ah, j'ai visé juste. J'ai visé juste. Ok. Du coup, ben, let's go par là. Hein, visiblement. Petit. Donc, rune salle au trésor. Bah, même délire. Hein, same. Same. Ah, j'aurais tendance à me méfier des coffres qui sont près d'états de poussière, je sais pas pourquoi. C'est peut-être un mauvais jugement de ma part, hein, mais. Ah, je me suis fait avoir. Ok. Alors. On a survécu, c'est merveilleux. Ah, du coup, maintenant je l'ai fait en hein, l'état de sable. Alors. Du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je crois que je peux changer la couleur de la. Selon l'interrupteur que vous choisissez d'activer avec A, vous changez ce qui se trouve derrière une porte de dédale. J'ai pas du tout retenu ce que c'était rouge. Du coup, on vient de faire deux salles vertes, on va faire au moins une salle rouge. J'espère que je viens pas de. Que je viens pas de me mettre dans la merde. Utilisez un point de soin pour restaurer tous vos PV et soigner toutes les altérations d'état. Une fois utilisé, un point de soin ne peut pas être réutilisé avant votre sortie du dédale. Ok. D'accord. Jusque-là, ok. Faut que je me laisse tomber. Bah, visiblement, oui. Alors, les joysticks de la 3DS n'étaient pas précis. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc qui brille déjà? Je sais pas du tout où je vais. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué là, au secours. Ah. Ah. Du coup, visiblement, c'est la merde. Ah. Bah merci. Ok, super. Ok. Ok. Non mais super. Merci. Ok. Et du coup, quand il disait qu'il fallait revenir bien préparé, il déconnait pas, quoi. Bon, qu'est-ce que c'est? Attends. Déjà, on va ranimer Pépère. Je pense que j'aurais dû venir avec des alliés plus forts et plus rapides parce que.
Là, ça craint. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais. Ah. Non, je vais continuer quand même. Alors, on va prendre un petit remède. Voilà. Alors, rouge, bleu. Celle-ci, je. Celle-ci, y a rien là. Ouais, non, c'est un cul-de-sac. Ok. Allez, on va s'en refaire une rouge. Une salle carrée. Je peux pas voir si en contrebas. Non. Alors. Visiblement, cette salle ne sert à rien. Est-ce que je peux remonter? Oui, je peux remonter. Okay. C'était juste une salle soin, visiblement. Il en faut toujours, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, du coup. Hop. Donc, ouais, ok. Du coup, bah, bleu, hein, obligatoirement. Tac. Toutes les capacités de l'ennemi ont augmenté. Est-ce que ça pue du cul? Je dirais que oui. Salut, l'ennemi. Dans les salles où se trouve un orbe énergisant, les ennemis sont plus puissants. Attaquez l'orbe pour affaiblir les ennemis et renforcer votre équipe temporairement. L'orbe en question est là. En voulant un autre. Ok. Ok. Alors. Ok. C'est fini ou pas? C'est pas fini. Ok. Profiter tant que le sablier est toujours vert. Ok, certes, bonjour. Alors, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a jaune ou bleu? Bleu, on en a déjà fait une. Du coup, je vais activer jaune. Ok. On en est à 54%. Ah. Alors. Ah non, pas ce machin. Tu me laisses pas me relever, Michel. Tu veux que je fasse comment?
pièces. Ok. J'ai déverrouillé quoi? Ok, j'ai déverrouillé les escaliers pour aller leur fracasser la tronche à ces trucs de merde. Aïe. Aïe. Tu te calmes, Michel. Et ok, voilà. Alors, on ramasse ce qu'il y a là-dedans, s'il y en a. Et ensuite, alors, rouge ou bleu, on va dire rouge. Non, bleu. Je sais pas, bleu. Peu importe, voilà. Ok, tac. Irise la porte. Ça, c'est un monstre. Ouais, calmez-vous. De chercher s'il y a un truc pour le rendre moins fort comme tout à l'heure. Non, non, il n'y a pas. C'était pour être sûr. Il va sûrement y en avoir un autre. Qu'on se fasse pas de. La question est où est-il? Acheter où? J'ai entendu le bruit, mais... Ah oui, d'accord. Ok. Bonjour. Ok. Bon, du coup, toi, c'est où? L'autre, il est passé où maintenant? Il arrive par là. Du tout ton truc là, Michel. J'ai fini là ou pas? Non. Ok. Ok, c'est bon, je l'ai eu. GG moi. Alors, ok, c'est un cul-de-sac, c'est un cul-de-sac, c'est un cul-de-sac, c'est un cul-de-sac. Il n'y a pas de porte. D'accord. Bon, retour en arrière du coup. Tac. Ah si, d'accord, c'était ça la porte. Je suis bête. Escalier, escalier. Non, je veux pas sortir et retourner à l'entrée, moi je veux finir. Oui. Ok. Balance. Eh bien, balance à toi aussi. Alors ça, ça sent la fin et ça sent le boss. Hugo, boss. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on va se taper encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Oula! Ah, mais je t'ai déjà affronté, toi! Au secours! Aïe, putain, c'est pas possible.
Ouais, je sais avec qui il faut le taper, juste ça va prendre du temps, mais aïe, aïe, aïe. Ah mais écoute, vas-y, continue de me taper, fais-toi plaisir. Je vais pas y arriver. Bonjour. Et je... Ah, et en plus je me trompe de bouton, au secours. Je déteste ce monstre, putain. Arrête de me courir après. Ah, j'ai plus de place, j'ai plus de place, j'ai plus de place. Mais il me colle, l'enfoiré. Mais arrête. Ah, non, 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 non. Je vois pas comment je suis censé l'avoir. C'est impossible, au secours. Alors, je vous annonce qu'on va très certainement tous mourir. Ok, et ce sera même pas... Ok, bon bah, ce que je disais. Je peux sérieusement faire ressusciter ici. Ok, bon, bah, y a encore une chance du coup, parce que... Aïe, purée. Saloperie de mort de mer. Ok, alors... J'ai même pas le temps de faire une roulade au secours. Ah, ah là, je peux. Mes roulades ne vont même pas assez loin en fait. Au secours, je me fais poursuivre par un homard. Au secours. Boum. Boum. Aïe. Boum. Allez, 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 relève-toi, relève-toi. Ok. En fait, faut utiliser ça une fois, mais pas plus. Hein. Allez, allez. Allez. Ah non, 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 je déteste quand il fait ça. Ah bah merci, fallait pas. Foiré. Alors. Aïe, 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 aïe. Ok.
Oh bordel. Il est en train de s'énerver, Jean-Mi. Au secours. Oui, bah, je veux toujours ressusciter ici. Ouais, c'est pas possible ça. Ok, alors. Lévi est très 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 lent. Du coup, ok. Alors, c'est pas la peine de t'énerver, Jean-Eudes. Et arrête de bouger. Aïe. Alors, c'est le moment de tout donner. Et allez, 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 un dernier coup. Oui! On a eu le gros Omar une deuxième fois. Merveilleux. Je suis persuadé que c'est pas du tout ça que je devais faire, mais soit en. D'accord. Eh bien, c'était la big salle de boss. Et du coup, il déconnait pas quand il disait que il était vénère. Je me demande ce qu'il y a dans le coffre du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Ils ont l'air vachement contents. Une recette pour un habit de fée et une fleur de bronze. Ok. Eh ben, ben merveilleux, mais du coup on n'a pas du tout trouvé la. Oula. Où c'est quoi ce bordel? Je disais, on n'a pas du tout trouvé la personne qu'on était venu chercher. Mais à part ça, voilà. Du coup, c'était visiblement pas cette porte. Du coup, bah, je vais sauvegarder déjà. Comme ça, ce sera fait. J'imagine que c'est plutôt cette porte là qui s'ouvre comment? Ça c'est la bonne question aussi du coup. Il n'y a rien à part un cactus. Qu'est-ce qu'on a? On a les excavations, on s'en fout. Alors, on va voir. Est-ce qu'on peut. Non, c'est pas bon. Faudrait qu'on puisse rentrer par ce trou là. Ok, du coup. Pourquoi ça n'arrête pas de bugger? Ça suffit. On est lancé là. Faut que j'aille chercher un autre perso. Je vais être obligé pour faire ça. Alors. On retourne à l'oasis et à la place de Lévi, on va prendre quelqu'un avec une lance. Ah, bah du coup on est passé à des niveaux plus élevés déjà. Ce qui est bien. Ok. Ok. Ok, ok. Bon. Je vais changer mon équipe pour pas oublier. Hop. Et on va aller voir la génie qui va nous faire un caca nerveux si on n'y va pas. Voilà. Puisqu'il fallait aller la voir à minuit.
si vous vous souvenez bien, et il faut que j'arrête de faire ça, bordel. Je me farcis toujours tout le chemin alors que... Parce qu'il n'est pas minuit là tout de suite. Ah! D'accord, il est 5h du mat. C'est génial parce que maintenant en plus il faut que je vérifie l'heure réelle. Je n'avais pas compris. Eh ben on retourne dans la galerie Grava, n'est-ce pas? Oui, bah ça va, c'est bon. J'ai loupé l'heure, j'avais compris. Hop, donc, tac, galerie graveur. Et donc... Alors, si mes calculs sont... Exact. Ce qui vaudrait pas mieux que je fasse. Tac. Et... même pas sûr de ce que je suis en train de faire. On va noter comme ça c'est bien. Je vais faire des essais. On verra bien ce que ça donne. Yes, c'est bon, c'est good, c'est really good. C'est merveilleux. Et du coup, hop. Ça c'est bien, ça c'est bon, ça on l'avance du coup. Ok, donc je me suis tapé un donjon par pur plaisir, hein, on va dire ça comme ça, parce que c'était absolument pas nécessaire. Ok, zéro menace, je l'ai défoncé en fait. Alors j'imagine qu'il y en a d'autres vu que le machin ne s'est pas levé. Alors. Ok. Et du coup, il y en avait bien d'autres. Voilà. Ah, il y en a un là. Ok. Alors, tu représentais mes zéro menaces, quoi. Vraiment, c'était nul, hein. C'était... Alors, tac, tac. On récupère tout le stuff, tac. Okay. On va récupérer les cactus parce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, okay. Ça suffit. Ah. Des bugs de son dégueulasses là. Voilà. Bon, ça c'est pareil. Hein. Si c'était une menace, vraiment, ça n'en était pas une. Hop. Du coup, on a trouvé la granène. La couleur du ciel, du désert, de la montagne, de l'eau. Non, rien ne convient. Donc, on a trouvé Osni. Qui va nous rendre visite et qui fait des soupes de toutes les couleurs et qui aime aussi les cordons. Ok. Donc elle, c'est bon, c'est fait, on l'a trouvé. Ce qui veut dire que... Qu'on va pouvoir rentrer chez nous. Alors attends, affaire. Donc ouais, donc elle on l'a trouvé. Et du coup, on a quelqu'un à chercher dans la grotte Courage. Bon, déjà, on va rentrer chez nous. Voilà. Flemme de me
retaper absolument tout le parcours. Va aussi falloir que je ravitaille mes boutifleurs parce que sans ça, on a une vie merdique. Donc, on va faire un petit ravitaillement. Ok. Ça, c'est bon. Ok. Tac. Ensuite, on va aller voir Jamila. Et on va faire des livraisons groupées. Donc, là. Hop. J'ai pas de légumes croquants. Toujours. Légumes croquants, c'est censé être courge crieuse et maïs hardi. Ok. Toi. Toi, je peux te livrer. Toi, je peux te livrer. Que ouais, c'était ce bouton-là. Ok, voilà. Comme ça, c'est plus ce que j'allais dire. Comme ça, ils sont contents. Là, on voit que la barre est remontée. Pas pour tout, mais voilà. Alors, attends. Justement, il y a des trous dans certains trucs. On n'a pas de courge crieuse. Et pas de petits pétales. Alors, on va rectifier ça avec des expéditions. Petit pétale, il y en a là. Ah. Je peux pas en envoyer plus. Ok, bon bah du coup j'ai envoyé une équipe. Ah, ça doit être parce que j'ai foutu tout le monde sur des boutifleurs. On avait dit qu'il fallait aller à la grotte Courage. La grotte Courage qui est arme utile, un marteau et un sceptre magique. On va reformer une équipe. Un sceptre magique, il n'y a que Maria de toute façon, donc ça va aller vite. Ok. Du coup, je vais regarder où j'en suis là, niveau... Ouais.
J'en suis bientôt à 1 heure. Du coup, je vais me téléporter à la grotte Courage et on va se laisser là pour aujourd'hui. Et on reprendra du coup à la grotte Courage. Je sauvegarde ici. Et du coup, je m'arrête là pour aujourd'hui. Bah, du coup, merci à tout le monde d'être passé. C'était Ever Oasis. Voilà. Et je vous fais des bisous.